Oui, non, je vais juste te montrer à poil, c'est pas grave. Moi, aujourd'hui, je suis à Toulouse. Attendez, si j'ai la lumière dans la figure. On est à Toulouse et là, on va faire un shooting photo avec... Tissène, t'es habillée? Oui. Avec Tissène. Salut. Voilà. Et c'est bon, Vanessa, t'as mis les jeans? Et Vanessa, qui était à poil il y a deux minutes. Donc là, on va faire un shooting photo avec, voilà, pour une agence, je vous dirai tout ça dans la vidéo. Alors, j'ai oublié mon appareil photo, alors faut que je regarde ici, faut pas que je me trompe, le trou est là. J'ai oublié mon appareil photo, donc voilà. Et comme j'ai appris qu'il y avait la Gay Pride, je me suis dit, faut que je filme, c'est obligé. Donc voilà, du coup, ben, je me mets à vlogger, c'est pas prévu. Bon, allez, elles vont se faire maquiller, je vais me faire maquiller. Là, j'ai juste fait mon teint et mes cils et j'ai mis du rouge à lèvres pour pas être moins... Ouais, moins moche, hein, pour être un peu mieux quand même. Et puis voilà. Donc, à tout à l'heure. J'aimerais bien la voir, la copine de Pierre. On va faire un événement. Quand l'agence est là, on va faire une intervention, tu sais. Bobo, venez avec vos compagnes. Puis en fait, t'es tout seul avec ça. Ça va? Séance de coiffure? Ouais. Séance de maquillage. Et repos. Le seul homme. Et repos. Le seul. Mais elle est déjà j'ai déjà fait son shampoing, son après-shampoing. Tissène, elle s'en fout pas, je te jure, moi je te prends des beaux trucs, tu me prends des trucs. Tissène, elle râle parce que je lui ai mal pris des photos. Elle râle pour des photos, s'il vous plaît, les gens. Regardez comment elle est râleuse. Je te jure qu'on refait. Regardez comment elle est râleuse. Bon, on a fini de se faire maquiller. Regardez comment on est croco. Je t'ai dit, prends-moi de loin. Laisse-moi admirer mon maquillage. Je ne prends pas de loin. Attends. Ah, j'ai des noirs là. Vas-y là, elle est énervée. Bon, là je vais passer aux coiffures. À la coiffure, je sais pas ce que je vais faire. Bon, du coup, on a fait le l'interview avec Elodie. Et ça le photographe. Et regardez cette avec Vanessa. Et regardez la chambre, comment elle est canon. C'est trop beau. Elle est en train d'un peu plaisir. Ah oui, mais elle est. Elle... C'est parce que c'est resté longtemps dans la même position. Ouais. Et la jambe est criée au secours là, et avec la chaussette bien trouée. Non, je bon. On a cherché la Gay Pride partout, on n'a pas trouvé. Là, on est en train de chercher. Ils sont où? Ici, ici. Ils sont là-bas. Attendez, on va essayer de les trouver. On va vous montrer. Mais du coup, on est
rentrer, on a réussi à rentrer, c'était difficile quand même. On a galéré hein, à partir. Et là, on rentre, on va se changer. Et on va où? On va à la fête. On va à la fête. Vraiment, on va à la fête de Moissac. Si Dounia vient, si Dounia vient pas, on n'y va pas. Donc, monsieur Idriss, là, je te retiens si tu ne laisses pas venir Dounia. Ok. Ok. Bon, mais si on va pas à la fête, je bloquerai mon démaquillage comme tous les soirs. J'annonce officiellement que nous allons à la fête. Voilà. Et j'annonce officiellement que nous attendons Dounia. Et que son père arrive, attend déjà. Bon, j'annonce officiellement que c'est bon, Dounia est là. Yes. Voilà. On a réussi à convaincre son père, on a un petit peu pleuré. T'as failli dans les snaps. On a failli pleurer dans les snaps et tout. Donc voilà, on a réussi, son père il nous la laisse. Si tu vois ça, on a fait de la comédie pour que tu dises oui. Voilà, on te le dit, on a fait de la comédie. Tant mieux pour toi, on a pas dit oui, c'est tant pis. Voilà. C'est ta mère ça, non? Non, je dis qu'elle est pas là. Ah oui, ok. Je suis pas contente, parce que regardez, on fait la taille. Elles ont toutes mis les talons. Moi je suis pantalon. Ah oui, toi t'es pantalon, mais Tissène elle a mis les Balenciaga de ça, de d'épaisseur, et moi je suis toute petite maintenant. Je me suis dit, je vais me mettre à l'aise, mais Minnie c'est toute petite. Oh merde, c'est là qu'il faut regarder, j'en ai marre. Elle est petite en plus de ça, elle plus du tout. Mais putain, je sens bon, tu peux mettre la langue. Ton cul plein de merde, non. Je sais pas ce que j'ai une barre ici là. Quand je respire. Parce que t'es stressée. Non, c'est parce qu'on te fait effet. Ouais, je crois. Dounia, tu m'as fait des sensations quand t'es arrivée. Bon, on arrive à la fête. On dirait Maïva, attendez, on dirait quoi? Pourquoi tu cours comme Maïva, ça? Tu sais les pieds, on dirait les pieds de Godzilla, le truc, le vieux machin là. En plus on voit que toi là avec ton truc fluo. Moi si vous me perdez dans la foule, vous savez que je suis là. Ça sentira tes dents. Mais arrête de dire ça. Vous avez décidé ce que vous allez faire comme manège? Ouais, y'a pas grand chose. Ouais, y'a pas grand chose là. Là on est dans le rayon des enfants et après on va aller dans le rayon des grands parce qu'elles vont faire le manège des grands. Ouais. Ouais. On va mourir. Ouais. Vous vous chiez dessus ou pas? Elodie nous a rejoint? Oui! Et le premier cuisson! D'habitude, Dounia est malade! Hein?
Valentine. Allez, mademoiselle. Attendez, parce que j'ai pris la main. Là, c'est pour Shoshona. Qu'est-ce qu'elle ferait pas? Elle ferait pas, ils sont rouges. Ouais. Attendez, faut que j'attrape 4 ou 5 d'un coup, là. J'ai fait une petite pêche au canard parce qu'il voulait un petit poisson, il a pas voulu venir, mais du coup j'ai fait une petite pêche au canard, gagné un petit poisson. Waouh, c'est trop belle. Il va accompagner mon premier poisson. Avec une grande bouillée. Ah ah, on se voit un peu. Calme-toi. Ça y est, on s'en va. On a bien mangé, on a bien bu, on a la peau du ventre bien tendue. Eh, ouais, on a soif là. Oh, ça va, on a soif là. Ouais, c'est pas grave, on boira le sang de nos morts. Qu'est-ce que c'est que ça? En plus, il fait sombre, alors on risque bien de les croiser. Allez, les mamelles en avant. Bon, mais on rentre, hein. Allez, hein. Go, go, go. Go, 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 on rentre à la maison. Monsieur Idriss, le père de Tissène, de Dounia, a dit, je te la lèche qu'à minuit et demi. Il est minuit et demi. Et elle est censée être à la maison à minuit et demi. On a, on va dire, une demi-heure de route. On va dire trois quarts d'heure le temps d'arriver. Oups. Ouh là là. Il va encore te dire, Dounia. C'est la dernière fois cette année. Chaque année, il lui dit ça. C'est la dernière fois que tu y vas. On te retrouve l'année prochaine. Mais regarde, mon mais notre table. Mais regardez, j'étais toute seule en train de galérer. Regarde, tout le monde s'en fout. Et nous, on rigole devant. Bien sûr. Bon, ben voilà, j'ai passé une super bonne journée. Donc là, je vais passer à mon démaquillage. Je vais me démaquiller avec mon eau micellaire Mixa. Je l'aime bien. Et ensuite, ce que j'aime bien faire en ce moment, j'ai reçu de la marque Sempar le sérum Age Antidote. Et en fait, il est vraiment génial et il sent trop trop bon. Donc là, j'utilise depuis pas assez longtemps pour vous en parler, pour voir s'il a fait effet. Mais je sais que j'aime bien l'effet déjà qu'il me fait sur la peau. Donc c'est déjà très très bien. Voilà, mais en tout cas, c'est vraiment génial, quoi. J'avais déjà reçu le masque la dernière fois. Il est vraiment génial aussi, mais là, j'ai voulu tester le sérum anti-âge, parce que bon, je prends de l'âge. Hein. Donc là, c'est vraiment génial et je le trouve vraiment bien. Voilà, il est avec la pipette et c'est à mettre sur visage démaquillé, nettoyé le matin et le soir. On laisse sécher et puis après, on met juste l'hydratant et puis voilà, c'est nickel. Voilà, parce que le sérum se met toujours avant une crème hydratante ou autre. Voilà, voilà, donc ben, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt, bye bye.